Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du très très lourd avec ce match énormissime, cette dernière finale, troisième tour entre les 489 et les 60 GT. Les alliés en KVK face au 1093 s'affrontent pour savoir qui sera le champion de la division. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, bref, tout est sur le Discord et surtout les pronos de la grande finale. Les vendredis 18h, une vidéo sur les pronos pour plier ce store. Et le samedi sur le Discord, les ajustements pour être sûr de bien défoncer ce store et tout prendre, même s'il est moins intéressant que le store de cette 8ème saison de la Ligue. Regardons tout de suite ce match, je vous le rappelle, il est accéléré en 300% et je vous le commande sur la stratégie, sur ce qui s'est passé si vous ne l'avez pas vu. 3 fois moins de temps, c'est quand même plus sympa hein, de l'accélérer car il y a quand même des petites phases de temps mort si on le regarde en temps réel. On regarde tout de suite, le match commence évidemment. Aucun absent, un très très gros match. Premier tour, victoire des 489. Second tour, victoire des 60 GT. On a tout mis sur les 489. Je pense qu'ils vont se ressaisir pour cette dernière finale et on regarde tout de suite. Ça part tout de suite équilibré des deux côtés. Et même au centre cette fois, le 489 ne font pas l'erreur du deuxième tour de n'envoyer personne au centre. Ça envoie une petite équipe au centre et ça se place tout de suite. Ça va attaquer l'hôtel du désert. Ça va défendre l'hôtel de la guerre. Et de l'inverse du côté des 60 GT, ça attaque l'hôtel de la guerre et ça défend l'hôtel du désert. On va donc voir ce que nous réserve ce troisième et dernier match de la saison 8 de la Ligue Osiris, puisque les trois autres divisions ont déjà fini. Deux victoires d'affilée pour les favoris et ça part tout de suite avec du très très lourd. Je vous le rappelle, lors du premier tour, les 489 ont fait la différence grâce au tombeau d'Osiris. Sur le deuxième tour, les 60 GT ont fait la différence grâce à leur domination des structures et de l'open field. On va voir ce que ça donne sur ce troisième tour. Va-t-il être serré ou non? Vous allez le voir tout de suite. Sur la prise des bâtiments, plutôt équilibré. Les 489 ne font pas la même erreur d'avoir laissé les avant-postes. Hein, comme sur le tour précédent, ils s'étaient fait déborder sur les avant-postes. Là, c'est plutôt bien parti pour les 489. Regardez, ils ont le sanctuaire de la vie. Au centre, hein, ils l'ont pris sous le nez des 60 GT. Là, ils se sont bien fait carotte. Hein. Légère avance au score de 200 points des 60 GT. Ils ont été plus rapides pour faire les premières prises. Mais là, avec la perte du sanctuaire de la vie, c'est un petit peu compliqué pour eux. On va voir comment ça se passe. Les 489 hein, commencent à bien se mettre un petit peu partout. Des prises d'avant-poste. Mais les 60 GT sont beaucoup plus solides sur les avant-postes. Quand le 489 en prend 1, les 60 GT en prennent 3. Donc forcément, ça fait une petite différence. 30 points d'écart, ça fait 60 points à la minute hein, favorable pour les 60 GT. En ce début de partie, légère avantage sur les structures au final. Aux 60 GT qui arrivent à être solides sur les avant-postes. Hein. Encore une fois, les avant-postes, ça ressemble à rien. Mais ça fait quand même une petite différence de 90 la minute. Sur 10 minutes, ça fait 900 points. Sur une demi-heure, ça fait quasiment un tombeau. Le premier tombeau, en tout cas. Et justement, parlant de premier tombeau, il va pop dans 3 minutes avec l'accélération x3. Ça fait comme s'il popait dans une minute, une vraie minute de vidéo. On va voir qui va avoir ce premier arc. Selon celui qui attrape ce premier arc, hein, ça va donner la température du match. Sachant que regardez sur les structures, léger avantage au 489 sur la map avant que l'arc pop. Mais au point, léger avantage au 60 GT, hein, 200 points à peine. Ce qui montre que les 60 GT sont très solides une nouvelle fois sur les structures. Les 60 GT se placent aux avant-postes de l'arc, ils sont confiants. Les 489 hein, attaquent sur le côté comme d'habitude, hein, stratégie classique maintenant, ça monte de côté. Mais regardez, sur les avant-postes, ils se font encore carotte les 489. Hein. C'est vraiment leur point faible, je ne sais pas qui est en charge de tenir ces avant-postes. Sûrement personne, c'est pour ça qu'ils se font à chaque fois carotte. Et ça attaque, ça lâche les skills et ça y va, on est à 15 secondes, 10 secondes. Du pop de l'arc hein, et ça tape dur, très très dur. Et on voit, ça commence à sortir au sud, ça commence à sortir au nord et ça sort un petit peu plus au nord. Léger avantage hein, sur les 64, sur les 489. Alors regardez, ça sort
beaucoup plus au nord. Ils se font dépouiller là les 60 GT sur ce premier arc. Regardez, ils se font tabasser. Là, là c'est une vraiment une hémorragie. Ils se font vraiment, même si ça sort un petit peu au sud, ça sort beaucoup plus au nord. Ils n'étaient pas prêts à ça. Les 60 GT, ils se font totalement éclater. Mais regardez, ils ont 100 points d'avance et ils ont les 3 avant-postes. Quelle erreur sur les avant-postes. Franchement, que font les 489 sur les avant-postes? Ils déconnent totalement, mais ils ont réussi à arracher ce premier tombeau. Ils vont se diriger pour le poser. Et regardez, ils reprennent. Ils commencent seulement à reprendre les avant-postes au point. 650 points la minute contre 500 la minute avantage aux 60 GT. 400 points d'avance en 300 pour 350 points d'avance pour les 60 GT pour le moment. Mais un tombeau en possession des 489. Du très, très, très lourd sur ce premier choc. Sur le tombeau, vu la différence et vu les difficultés à tenir sur l'open field, si j'étais le 489, je poserais immédiatement ce tombeau pour être sûr d'en avoir au moins 3, voire 4 s'ils assurent, sachant qu'ils ont vraiment été extrêmement bons sur cette prise-là. 500 points d'avance hein, sur le papier sur les 4, pour les 60 GT. Hein, et les 60 GT qui ont perdu le centre hein, sont en train de subir en défense sur les structures pour le moment, mais ils vont sûrement contre-attaquer après. Ça se décale tranquillement et ils arrivent à tenir, à conserver toujours 500 points d'avance sur les structures. Et regardez, hein, ils attaquent le sanctuaire de la vie, ça attaque et ça tient. Ils continuent d'attaquer toutes les structures. Ils ont lâché les avant-postes des 489 et voilà, ils viennent de reperdre le sanctuaire de la vie, mais en attendant, il pénalise les 489. Ils ont à présent 600 points d'avance. Très très lourd, les 60 GT, très bon. Et les 489 ont toujours ce tombeau, donc virtuellement, ils vont reprendre 2500 points d'avance. Encore une fois, on est sur du virtuel. Sur les structures, encore une fois, les avant-postes, hein, ils n'arrivent pas à les tenir. 12 minutes, 13 minutes quasiment hein, encore avant de pouvoir poser, avant de poser cet arc au maximum. Ils peuvent le poser avant, hein, mais ils décident de jouer la montre. Je pense que là, c'est une erreur des 489, vu comment c'est tendu pour eux sur l'open field. On le voit au score, hein, ils ont presque 900 points de retard sur les 60 GT. Ça augmente petit à petit, ça augmente difficilement, mais ça augmente quand même. Qui montre encore une fois la suprématie des 60 GT. Regardez, ils viennent de prendre un hôtel et le sanctuaire de la guerre. Forcément, ça creuse d'écart. Presque 1000 points d'avance. 1000 points d'avance à présent. Un peu plus de 1000 points d'avance pour les 60 GT sur l'open field. Et toujours pas la décision de poser ce tombeau. C'est une erreur des leaders des 489. Hein, poser ce tombeau, vous avez fait la différence très rapidement. On se rappelle, les 60 GT ont été éliminés, il y a de ça, de League Osiris, justement parce qu'ils ont fait cette erreur. Ils n'ont pas pris le parti de poser l'arc, ils auraient dû le faire. Et il y a très longtemps, les JWM hein, se sont fait éliminer par les Snow. Pareil, je crois que c'était en saison 2 ou 3 de la League Osiris. Hein. Tout simplement car ils ont tardé à poser le tombeau alors qu'ils auraient dû le poser immédiatement, sachant qu'ils avaient dominé très largement la première prise. Il faudrait que les 489 fassent pareil, mais ils ne le font pas. Quelle erreur, l'écart augmente à 1600 points à présent d'avance pour les 60 GT, même si les 489 ont un arc, hein, c'est que 3000 le premier arc, hein, ce qui veut dire qu'ils vont ravoir à peu près 1000 points, un peu plus de 1000 points d'écart. On arrive aux 2000 points d'avance pour les 60 GT sur l'open field. Franchement, grosse erreur. Tant sur les avant-postes qu'ils n'arrivent pas à tenir, que sur le fait de vouloir conserver cet arc pour jouer la montre. Voilà, ils viennent de le poser et ils ont à peine, même pas 1000 points d'avance, 700, 800 points d'avance suite à la pose de cet arc. Hein. Là, ils ont déconné. Première grosse erreur de cette dernière finale. Au niveau des bâtiments, on est plutôt équilibré à présent, même si en score, c'est pas encore ça. 450 d'un côté, 590 la minute de l'autre. 60 GT toujours en tête. Et regardez, il n'y a plus que 500 points d'écart entre les deux, alors que les 489 ont posé un tombeau. Un match très serré grâce à la domination des 60 GT sur les possessions de bâtiments sur l'open field, sauf sur le tombeau. Donc, à présent,
les 489 vont devoir être vigilants, ils vont devoir renforcer comme il faut leur bâtiment et surtout réussir, et là ils vont prendre le sanctuaire de la guerre des 60 GT, ils vont devoir réussir à se mobiliser de la même manière sur le tombeau, sachant que les 60 GT savent qu'ils sont vraiment en faiblesse sur le premier tombeau. Ils vont donc renforcer le tombeau, peut-être au détriment de la défense de leur bâtiment. C'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. On arrive à 4 minutes. Ils devraient tous se diriger déjà vers le centre pour ce second tombeau. Il y a 15 000 à 15 400. C'est simple, vu la difficulté que le 489 a sur la défense et la prise de structure. Si ils n'ont pas ce tombeau, c'est pas encore perdu, mais ça va être très très compliqué. C'est assez dur à admettre, hein, quand on est leader, on a beau mener de 400 ou de 500 points et d'avoir réussi à arracher le premier tombeau, justement, ils doivent avoir là la tête froide et se rendre compte que s'ils n'ont pas le tombeau, il va falloir être meilleur sur les bâtiments, car sinon, ils auront perdu directement et s'ils l'attrapent, ce n'est pas l'assurance d'avoir gagné. Car encore une fois, hein, il y a plus que 400 points d'écart, 350 points d'écart. Ils sont pas bons du tout sur les bâtiments. Regardez, il y a encore un avant-poste, hein, deux avant-postes pris, c'est 60 points la minute, pris par les 60 GT, les 489, hein, ont de grosses lacunes. Et ensuite, là, regardez, ce petit péché du 489, hein, qui a fait l'erreur qu'ont fait les 60 GT lors de la prise de tombeau, ils ont attaqué un tout petit peu trop tôt et déclenché les buffs un petit peu trop tôt et ils se sont avancés devant le tombeau comme si ils étaient les leaders au score, ce qui n'est pas le cas virtuellement leader, mais sur le papier ils ne le sont déjà plus. Regardez, ils ont 600 points de retard. Là, je pense que le 489 a péché par orgueil. Ils ont voulu aller trop vite sur le tombeau. Ils auraient dû attendre que les 60 GT essayent de rentrer pour ramasser le tombeau. Et regardez, regardez cette hémorragie. Ils se font dépouiller. Ça part dans tous les sens au sud. Là, franchement, très mauvaise stratégie sur ce second tombeau. Rendez-vous compte, ils ont 600 points de retard à cause de la prise de bâtiment. Et ils viennent de perdre le second tombeau. Il reste 22 minutes de match et le 489 a quasi scellé son sort. Pourquoi ? 21 minutes 45, 13 minutes 30 pour poser le tombeau. Autant dire, ils iront au max du max. Si on rajoute 8 minutes à ça, eh bien, on tombe sur le chrono. Ça veut dire que si les 60 GT sont intelligents, vu leur maîtrise de l'open field et des structures, hein, ils ne poseront pas le tombeau avant la fin. Et il n'y aura que deux tombeaux dans ce match. Eux auraient raison de le faire car ils sont en domination. À quel moment? Et je vous le dis, je vous le redis, c'est pas le premier match que je vous commande. Je vous le dis à tous les matchs, les amis. Si vous êtes leader d'une team ou d'une fight, d'une line sur le tombeau d'Osiris, décidez de poser le tombeau quand vous ne gagnez pas sur la défense et la prise de structure. C'est toujours le meilleur choix à faire. On pose les tombeaux. Au moins, on se laisse une chance de gagner et de déstabiliser l'adversaire sur les arcs. Si vous perdez, vous aurez tout tenté. Et si vous gagnez, eh bien, ça sera grâce à cette stratégie. On le voit, cette erreur à tous les niveaux. Là, les 60 GT dominent le field. Donc, eux, ils ont raison de jouer la monte. Ils sont tranquilles. Les 489, en faisant ça, ils ont été... Vraiment, ils ont péché par orgueil, je pense, je ne sais pas pourquoi, sur ce premier arc, hein, ils ne l'ont pas, sachant la facilité, vous pouvez revoir la vidéo, la facilité avec laquelle ils l'ont arraché aux 60 GT, ils auraient dû immédiatement le poser avant que les 60 GT arrivent à se restructurer, se remobiliser et réfléchir à une stratégie. Sur cette seconde phase de jeu, on le voit, les 489 hein, arrivent à mieux s'organiser mais et à remonter au score. Regardez, ils sont repassés devant de 300 points sur la prise de structure. Mais n'oubliez pas, les 60 GT ont un tombeau en leur possession. Le second tombeau, c'est 3500 points. Donc ça va faire mal. Ils ont pris 3000 pour le premier, les 489. Les 60 GT vont prendre 3500 sur le second. À ce stade, vu le chrono, 7:30. Vu que les 60 GT n'ont pas l'air décidé de le poser et ils ont raison. Et vu que les 489 hein, ont près de 1000 points d'avance, il n'existe qu'une seule solution pour les 489 de gagner. Il faut qu'ils arrivent à faire la différence sur les bâtiments et ils se déchirent hein, pour ça. Pourtant, ils galèrent et surtout avoir des quantités de farmers qui sont en train de farmer des ressources. Évidemment,
astronomique, sinon c'est mort pour eux. Et quand je dis astronomique, il faut qu'ils claquent des 4000, des 5000, des 6000 points comme on l'a déjà vu, hein, pour pouvoir gagner, car l'écart se resserre forcément. Ils ont presque 1200 points d'avance, hein, c'est très bien. Il faut qu'ils tiennent comme ça encore longtemps puisqu'il reste 13 minutes de jeu. Si le 489 arrive à tenir les structures et renverser ce niveau de jeu sur l'open field qui donne les 60 GT gagnants, eh bien, il pourrait gagner cette finale, troisième et dernier tour. Mais ça se resserre quand même le score. On redescend, on est monté à 1200 points, on redescend à 1000, là, à peine, tout juste 1000, juste en dessous des 1000. On passe à 900 d'avance seulement, ça se resserre, les 60 GT font que de prendre des bâtiments. Regardez, quelle erreur là, ce qui a fait perdre le 489. Là, ce qui les fait perdre au point, c'est la line au sud. Hein. Regardez les deux lines au sud qui perdent leur obélix, qui perdent le sanctuaire de la vie. Hein. Ils l'ont perdu en boucle. Au nord, ils sont beaucoup plus solides. Peut-être un problème d'équilibrage du côté des 489. Et regardez encore une fois ces avant-postes de perdu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie sur les avant-postes? Ça leur a apporté préjudice lors du deuxième tour. J'ai peur qu'ils viennent à perdre sur ce tour-là encore à cause de ça. Seulement 600 points d'avance pour les 489 à présent. 1 minute 40 avant la fin du tombeau. Ils vont avoir l'obligation, les 60 GT, de poser le tombeau. Hein, ils ont le droit de le garder encore 1 minute 20. S'ils ne le posent pas, ils le perdent. Ça serait un truc de ouf qu'ils perdent 3500 points en oubliant de poser le tombeau. Ça serait vraiment une dinguerie, une erreur de débutant de ouf. Mais très peu probable que ça arrive. Regardez à présent, il y a 400 points, 300 points d'écart. Il reste 20 secondes pour poser le tombeau et il n'a pas l'air de bouger. Peut-être il va le poser dans la ville juste à sa droite. 2 secondes, 1 seconde, 0. Et là, je me suis dit, quelle erreur. Ils vont perdre les points. Et non, ils ne vont pas perdre les points. Ça vient d'être posé. Le timer déconne un peu quand on regarde le match en direct. Je ne sais pas pourquoi il déconne. Ça fait partie des bugs que l'élite n'a pas envie de régler. Il préfère nous rajouter des musiques et des icônes et surtout des events avec des bundles payants. Ça rapporte, alors que régler un timer, ça ne rapporte rien. Et donc à présent, 3200 points d'avance, hein, 3200, un tout petit peu moins d'avance pour les 60 GT. Il reste 6 minutes 30, qu'une seule solution pour voir les 489 gagner. Il faut que sur la fin, ils soient solides, ils soient strong sur les bâtiments. Qu'ils arrêtent de perdre leur Obélix, hein, qui est au sud, qui perdent en boucle. Et surtout, qu'ils aient une quantité de farmers astronomiques là où les 60 GT n'en auraient pas. Alors encore une fois, c'est pas gagné, mais c'est tout à fait possible, hein, qu'ils aient fait cette erreur, les 60 GT, de ne pas farmer, tout mettre sur le jeu. Est-ce qu'on va, on va voir ça à la fin. De toute façon, regardez, l'écart se resserre un petit peu. On tombe à 2500, 2700 d'écart. Ça va se réduire, ça va continuer de se réduire. Il reste plus grand-chose. Il reste 4 minutes de match avec l'accélération 300% que je vous ai mis. Il reste moins de 2 minutes de match. Il reste moins d'une minute 30 même de match à présent. Ça va très très vite, hein. Et on le voit à présent, 2700 points d'écart pour, ils commencent à rentrer leurs farmers, les 60 GT. Est-ce que les 489, grâce aux farms, vont réussir à gagner cette finale? S'ils la gagnent, ça serait vraiment hold up, parce que les 60 GT ont été en maîtrise tout le match. Ils ont posé sur l'open field et la défense de structure, hein, leurs troupes, ils ont tenu leur ligne et ils ont perdu le premier arc, ils ont gagné le deuxième. Je vous le disais, il n'y en aurait pas plus de deux, c'est de la faute des 489. Ils ont été l'artisan de leur défaite à 1.45 de la fin. Ils ont 2500 points de retard. Franchement, là, ils auraient dû poser immédiatement. Ce qui leur a fait perdre, de mon point de vue, c'est ça. Ils auraient dû poser immédiatement le tombeau. Ils reprennent 3000 d'écart. Le tombeau, ils auraient dû le poser immédiatement le premier. Et ils auraient dû mieux défendre leur avant-poste et surtout pas perdre leur obélisque. Hein. C'était la base. C'est des choses faciles. C'est vraiment ce qui les a fait perdre. Aujourd'hui, à 20 secondes de la fin, impossible de remonter. Plus de 3000 points d'écart. Faudrait avoir farmé de ouf. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour les 60, pour les 489. Les 60 GT sont donc les grands gagnants de cette finale.
Bravo à eux, cette finale maîtrisée de bout en bout. Franchement, une victoire méritée, on le voit sur la fin. Je vous dézoome, victoire des 60 GT, Mister Go en tête. Et on le voit là, un score sans appel. Regardez déjà au niveau du tombeau, 500 points d'avance pour les 60 GT, 3000 à 3500. Au niveau de la score d'occupation, c'est très serré, 500 points d'avance encore une fois. Ça fait 1000 points et ces 1000 points auraient été rattrapables sur le score de provision. Mais là, ils se sont fait désintégrer puisqu'il y a 2500, 2600 points d'avance en provision. Pour les 60 GT, la différence a été ces 2600 points-là. Si le ratio avait été dans l'autre sens, 3300 pour, en provision pour les 489 et 1700 pour les 60 GT, eh bien, le 489 gagnait tout simplement ce match. Ils ont déconné. En termes de mise à mort, on le voit, c'est les 60 GT qui ont gagné. Et en termes de soins, forcément, les 489 ont beaucoup plus soigné. Franchement, une victoire nette, un score maîtrisé, un match maîtrisé par les 60 GT. Un match énorme. Si vous ne l'avez pas vu, je suis content de vous l'avoir montré parce qu'il était extrêmement intéressant. Et on voit en termes de stratégie, hein, même au plus haut niveau, on peut faire des erreurs qui sont évidentes et pourtant, on n'arrive pas à s'empêcher de les faire. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.